Ce message n'est pas une incitation à la haine raciale, mais tout simplement une dénonciation de l'hypocrisie et du mépris qui continue à subir certains peuples du globe depuis des siècles. Merci à tous ceux-là qui cotisent pour les pauvres. Merci à vous qui dénoncez les abus de droits de l'homme. Merci infiniment à ceux-là qui se mettent du côté des vulnérables pour plaider en leur faveur. Ce n'est pas contre vous que je m'insurge, mais contre une petite minorité qui dirige vos gouvernements et font du reste du monde un empire où ils dirigent avec un bâton d'injustice au nom de la justice. Nous voulons être de nous-mêmes ce que nous voulons et non être ce qu'ils veulent que nous soyons. Un peu de conscience, quand même conscience. Je m'engage, mot par mot à provenance de mes entrailles. Pour la cause de mon peuple, je me plonge, je chante bataille. Cela fait longtemps que l'on vit dans l'apparence, sans assurance, dans la souffrance, un peuple sans défense, qui ne vit que dans le suspense. On nous dit qu'après la France, notre pays fait la différence. Et c'est avec ça qu'on met en confiance. On nous apprend la méfiance. On nous dit que notre pays est grand. On nous pille, on est ingrat. On nous tue, on nous vole, on nous maltraite. C'est une contrainte. On nous dit un scandale géologique, ça ne paraît pas logique. On nous truque, c'est pas pratique, c'est leur politique. Ils créent la guerre psychologique, l'horreur écologique. Ils aiment la crise économique, non c'est pas logique. Ils s'appellent humanitaires, mais ils sont les commanditaires. C'est des massacres militaires. Ils agissent sans critères, ouverts d'humilité, sans inviolabilité. Et c'est fiches de notre dignité. Leurs aventures, dans de belles voitures, dans de beaux bureaux, c'est sans que le vrai bourreau. Ils nous fabriquent des virus, ils nous les fissent. Ils orchestrent de meurtre, oui ils nous font de l'aide. Ils aiment la peste, ils nous font de la traite. Ils violent nos femmes, nos mères, nos filles, nos sœurs. Putain, ils ont la tâche des sangs et leur sang froid sans faire sans pitié. Ils ne veulent que ce que nous avons. Désormais, nous les savons, quel que soit leur crapaud. C'est une mascarade, une fausse propagande. Ouah, une fausse propagande. Un peu de conscience, quand même conscience. Je suis libre, je suis libre d'égalité et de fraternité entre population et autorité. Le vol de notre monde, qu'il soit maudit, ces criminels officieux. Ils prennent tout notre trésor, ouvriers nocturnes qui chassent l'or. Au lieu de l'indépendance, ils nous mettent dans la dépendance. Sans compétence, ils méfient notre race. Ils s'appellent multinationaux, ils ne recherchent que de l'or noir et tout ce qui est ressources rares. Nous en avons marre. Ils financent les rebelles, ils nous disent avoir le contrôle et affirment que c'est leur rôle, mais c'est troll. Un rôle de tout détruire, puis reconstruire. Ils se comptent par millions, ils n'ont pas de religion. Ils déstabilisent nos régions, ils proposent des tables rondes pour qu'ils dominent le monde. C'est une douleur profonde. Ils rédigent nos lois, ils nous les font voter. Enfin, ils nous amènent à les écouter. Une nation tout en goûté, sombre et toujours dans la médiocrité. Je suis libre, je suis libre d'égalité et de fraternité entre population et autorité. Depuis l'enfance, on est piqué dans la face. Les mêmes démarches d'accession au pouvoir, c'est un devoir. Il ne sert pas le maître du monde, ne pas à la mode. On lui arrache l'état, peu importe le temps. Les torts, les morts et pas de remords. Encore, en encore, oh, dans l'engrenage de leur projet. On crée des ONG et des places stratégiques. De ces usines, de la mort du mal, de l'empire occidental, de la mafia organisée. Dans la RDC, toujours visée. Ils devaient se voir divisés pour qu'ils atteignent leur visée. Je fais appel aux imbéciles, à leur tromperie, ne soyons dociles. Car notre situation est difficile. Gagner l'argent facile, tout tranquille, à domicile. Sans fabrique de missiles, avec nos pierres et du nucléaire qui nous prive. Prenons le contrôle de ces navires sans pilote, contre lequel ces prédateurs complotent. Et qui différemment chacun se comporte. Que cette nation grande et forte supplante cette nation morte par la cohésion et la révolte. Au lieu de passer des journées dans de paillotes, se méfiant du devoir de patriotes, réunis en patriotes. Ce sont de voleurs. Ce sont des observateurs. En même temps, je suis libre, je suis libre d'égalité.